nous voilà à la conclusion de cette vidéo. Donc vous avez pu voir cette réalisation fort simple au niveau de ces bench hooks. Les bench hooks, ce sont des accessoires qui sont pour moi indispensables à l'atelier, que ce soit pour couper des petites pièces comme celle-ci par exemple, ou pour couper des tourillons. L'avantage de ces bench hooks, c'est que vous pouvez travailler de plusieurs façons avec. Vous allez d'abord toujours travailler en appui, en venant maintenir votre pièce comme ceci. Là, plusieurs choses à vrai dire. Tout d'abord, vous pouvez vous en servir pour couper à la scie de petites pièces comme vous l'avez vu en fin de vidéo. Mais vous pouvez vous en servir, et ça vous le verrez dans une prochaine vidéo. Si vous voulez voir ce projet, je vous invite à aller voir mon profil Instagram. Je vous mets le lien en description. Et j'ai déjà présenté ce à quoi allait ressembler donc cette création qui est en cours. Les bench hooks m'ont beaucoup aidé parce que quand j'ai besoin de réaliser des usinages avec la domino par exemple, avec une lamello, avec une tourillonneuse ou que sais-je encore, vous pouvez vous servir de ces bench hooks parce que vous venez travailler en appui avec la machine qui va travailler ici contre. Bien, le fait d'avoir ces bench hooks, ça vous évite de prendre les serre-joints à chaque fois et de venir bloquer ça dans les serre-joints, ou de lutter pour réussir à bloquer la pièce avec une main pendant que vous usinez avec l'autre, ou encore de vous servir de votre presse, etc., etc. Si je dois couper ou entailler à mi-bois une pièce, si elle est de section suffisante, je vais me servir de ma presse. Si c'est un tourillon ou une petite pièce, je vais me servir de mes bench hooks parce que c'est plus facile de la maintenir. C'est simplement le poids du corps qui va retenir la pièce en place. Ces bench hooks donc sont vraiment très pratiques aussi pour l'usinage. J'ai réalisé des rainures qui sont prises dessus, comme vous avez pu le voir, ce qui me permet quand je viens couper de ne pas abîmer ma surface, mais c'est dans cette rainure que la scie va terminer. Vous n'êtes pas obligé de les réaliser comme moi avec une feuillure ici. Le fait de faire une feuillure pour pouvoir coller cette pièce, ça me permet d'augmenter la surface de collage. Je passe ici en largeur de 20 mm à 30 mm. Je gagne 50% de surface pour le collage. Une pièce comme ça collée ne bougera plus du tout. Néanmoins, si vous ne voulez pas vous embêter, vous pouvez simplement la poser par-dessus en la collant et en la vissant par-dessous. Vous verrez ces bench hooks donc en action dans de prochaines vidéos. Et en attendant, je vous remercie d'être toujours plus nombreux à me suivre. On a passé la barre des 4500 abonnés, bientôt les 5000 en vue. Je remercie aussi mes 4 tipeurs qui me soutiennent, ça me fait vraiment très plaisir. Et pour tous les autres, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à commenter, liker et partager. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !